Bonjour et bienvenue pour du The Long Dark. Nous allons boire un peu. Donc, des choses se sont passées en fait depuis la dernière fois. On a fait une petite séance de farm qui a duré. Alors, ça m'a duré 3 heures, 4 heures grand maximum. 4 heures grand maximum, je dirais. On va prendre encore un peu à manger. Voilà, donc il fait pas encore jour, donc une fois qu'il fera jour, on va pouvoir partir, enfin même on peut partir maintenant, on a un temps qui est plutôt potable, honnêtement, c'est plutôt potable, donc on va partir dans pas longtemps. Mais, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai rafistolé tous les vêtements qui avaient besoin d'être rafistolés, tout ça, j'ai utilisé tout ce que je pouvais, j'ai fait quelques réserves et j'ai récupéré tous les objets importants, on est un peu plus de 40 kilos, mais on va pouvoir jeter un peu pas mal de choses jusqu'à ce qu'on arrive à la corde. Parce que nous allons partir du mont Timberwolf. Donc le mont Timberwolf, le voici, nous on est là. Donc j'ai normalement mis le petit passage où c'est que je suis remonté pour faire la photo. Donc je l'ai refaite, enfin je l'ai faite parce qu'on a trouvé une deuxième photo. Après je suis allé récupérer pas mal d'objets en fait dans les grottes qu'on avait laissées. Je suis allé pas mal farmer, j'ai tué un deuxième ours aussi. La peau elle est là, elle est à 36% par contre, donc c'est un peu un problème en fait, parce qu'il faut 12 jours, donc là elle est à peine à 36% de séchage, donc il faudra encore attendre au moins 8 jours, un truc comme ça. J'ai pas envie, ça va être chiant, hein, ok, ça va être quand même bien chiant. Après on pourrait la prendre avec nous en fait, mais ça va peser lourd, et en fait ce qu'on va faire là c'est qu'on va rentrer chez nous. Alors je sais pas trop si on va la prendre ou pas. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, pour les vêtements, donc j'ai... Alors, il y a deux petits vêtements. Enfin, c'est dans la catégorie vêtements, mais c'est des cache-oreilles et un bonnet. Que je vais prendre en plus avec nous. On va pas les laisser ici, parce que ce sont des bonnes choses, en fait. Et qui sont assez rares. Et qui sont aussi très fragiles. Qui peuvent être déchirées assez facilement, comme on l'avait vu avec le cache-oreille. Donc, le deuxième cache-oreille qu'on a récupéré, je vais le prendre avec moi. Et on va le ramener chez nous. Oh, sérieux, je les ai à peine réparés, genre il y a un jour ou deux jours, quoi, de jeu, hein. Ils sont déjà à 91 et 96%, c'est complètement débile. C'est complètement débile, enfin bref. Donc on va prendre le cache-oreille, le deuxième, et le bonnet, pareil, parce que ce sont les meilleurs, en fait, équipements qu'on a pour le moment, et du coup, d'en avoir en double, c'est pas mal. J'ai réparé aussi, donc, une seule peau de... un seul manteau. Cool. Un seul manteau en peau. Et après, j'ai réparé tout ce que j'ai pu. Tiens, j'ai envie de... Attends, on va en profiter peut-être. C'est combien ? C'est un boyau séché. On va peut-être en profiter alors. Réparer. Ah, si on a la lumière comme ça qui apparaît, hein, c'est un signe, hein, il faut l'utiliser. Ok, très bien, ça a marché. Bon, par contre, l'objet est cassé. On va le jeter. Ah, très bien. Bah ça, il commence à faire jour. Donc, on a encore plein de bois de côté. Vous voyez tout ce que j'ai là. J'en ai énormément. J'ai même du charbon. J'ai ça, il faut qu'on les prenne aussi. On a encore de l'eau sur nous. Donc voilà, j'ai fait ça. Après, donc on a aussi de la viande. Bon, ça, on la jettera parce qu'on est trop lourd de toute façon. On jettera la viande et l'eau quand on prendra la corde. Donc, on va prendre le thé. Donc, on a deux boîtes de thé à 5. On a la boîte de café qu'on récupère. Pour ce qui est de l'équipement, donc on va partir avec le pistolet de détresse et les 8 cartouches, les 8 fusées. Honnêtement, est-ce que ça va vraiment nous être utile ? Pas du tout, c'est pas vraiment l'objet qu'on va utiliser ou quoi que ce soit. À la limite on pourrait l'utiliser, ce serait peut-être à la crique lugubre, et encore honnêtement on n'en a pas vraiment besoin. Mais on va le prendre parce que c'est un peu notre récompense. Mais voilà. Ah tiens, il est pas chargé. J'avais pas fait attention. Est-ce qu'il prend du poids quand tu le charges? S'il était à 0,40. 0,45, hein, ça va, il prend quand même, ils ont bien fait. Il prend 0,5, il prend la cartouche. Donc on va repartir aussi avec l'outil de qualité, on a deux scies, le métal on va pas le prendre parce que ça prend du poids, on va prendre ce livre parce que c'est un 25 heures, donc ça c'est cool. J'ai fait toutes les flèches que j'ai pu, hein, parce qu'il faut à chaque fois des embouts de flèches, j'en avais pas énormément, donc j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et j'ai coupé tous les bois qu'on avait récupérés, donc on a 41 fûts de flèches en réserve.
Ah, ce qui est très très bon, donc on va les prendre avec nous. Bon, le sac de couchage, j'ai pas pu le réparer parce qu'encore une fois, la peau, elle est pas complètement sec. Ah, c'est pas très grave. Après, j'ai pris toutes les plumes. J'ai pris du cuir aussi. Donc ça, je l'ai dit, les vêtements, je l'ai dit. Pour le soin, alors le soin, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses en réserve. On a encore genre 26 reishi préparés. Reishi préparés. On a encore des écorces et des baies. On a aussi des médicaments. Donc bon, on prend que ça pour le moment. Voilà, on prend ça, suffisant. Pour les allumettes, donc on a beaucoup d'allumettes. Et j'étais en train de me dire, est-ce que ça sert vraiment en fait de laisser des allumettes de côté ? Est-ce qu'on va un jour revenir ici? Je sais pas trop, mais j'ai un peu l'habitude de tout le temps laisser un peu une sorte de strict minimum à chaque endroit où on visite. Après, j'ai envie de dire, c'est pas comme si on allait en manquer, ok? On a encore une trentaine d'allumettes, plus de 30 allumettes. On a encore deux Fire Steel, dont un qui est presque plein, enfin presque au maximum. Et on a une loupe, donc je pense pas que faire un feu va être un gros gros problème. Ah oui, après aussi, il y a l'arc. J'ai refait un arc complet. Donc celui-là que je tiens là, il est à 100%, donc j'ai fait un arc complet, j'en ai profité. Les bombes de peinture, on en a une à 100%, ça on laisse, les cordes aussi on laisse. Après on a encore quelques pots et des pots de lapin, des pots de serre et tout ça, là on peut encore faire des arcs. Mais voilà, on est préparé et c'est ce qu'on prend, donc on a quand même pas mal de choses. C'était une bonne aventure. Est-ce que c'était extrêmement fructueux? Bah ouais, oui et non. C'est... Pff, voilà. c'est pas mal, mais ça aurait pu être mieux. Mais voilà. Donc on va partir. Par contre, alors maintenant je suis en train de me dire, est-ce qu'on prend la peau ou pas? La peau de l'ours ou pas? Je sais pas trop si on fait ça. On est à 38-37. On pourrait prendre la peau. Ça nous éviterait de revenir là. Ça nous éviterait. Alors, on va faire ça. Peut-être que l'eau, on va juste... On va devoir en refaire de toute façon. Comme ça, on laisse ça là. Et on dit au revoir au mont Timberwolf. Le marteau aussi, on en a un là, mais on va le laisser. On va pas le prendre. Ça sert un peu à rien. On est à 40-52, bah c'est bien. Bah là, les deux, on pourra les manger ou les jeter. C'est bon, on pourra prendre la corde. Donc on va partir. On va peut-être juste dormir une heure. Histoire d'être plein et on part. Donc du coup, on va retourner dans la vallée charmante qui est un peu chiante pour le déplacement. Mais voilà, on va faire ça. Et du coup, on va rentrer chez nous. Donc là, ça va être un peu genre deux épisodes où... c'est les péripéties pour revenir chez nous. Voilà, on a un très très beau temps en plus. Donc ça c'est très bien. Les oiseaux qui piaillent, c'est bien. Donc on va rentrer chez nous. Alors je pense qu'on va directement donc, rentrer chez nous, c'est-à-dire qu'on va directement retourner au lac Mystère. Donc ça nous fait la vallée charmante. Après je sais plus par où on passe. Bah, on va faire en fait chemin inverse. Comme je l'ai dit plusieurs fois, on va faire le chemin complètement inverse parce que on doit récupérer des objets qu'on a laissés en fait dans différents endroits de la vallée charmante. Donc on va devoir se retaper exactement les mêmes maisons, exactement le même chemin. Donc bon, c'est pas super excitant parce qu'on est déjà passé là, mais bon, il va falloir le faire. Donc ça va être notre aventure. Non, c'est pas là-bas, c'est là-bas avec le moteur. Je vais être honnête, je me rappelle plus vraiment de ce qu'on avait laissé, mais je sais qu'il y a des endroits où il y a plein de tissus, des endroits où il y a genre peut-être des allumettes ou des trucs comme ça. Je crois qu'il y a quand même pas mal d'endroits avec des choses qu'on a laissées, donc on va récupérer tout ça. On va récupérer tout ça. Et après on rentre chez nous. Et une fois qu'on sera rentré chez nous, on va peut-être... j'ai pris la peau du coup ou pas? Oui, j'ai pris la peau. Ouais, on va peut-être refaire une pause. Genre en vidéo, je parle. Le temps de... je sais pas, peut-être me rafistoler les vêtements. Enfin, quoi qu'on vient de le faire, donc c'est pas très intéressant. Alors peut-être qu'on partira directement pour une autre aventure.
tout simplement. J'ai envie de dire. Je pense que, comme j'ai dit encore une fois, je suis pas complètement sûr, mais tout porte à croire qu'on va retourner à la crique lugubre. Pour aller récupérer... on va passer par le ravin, on va aller récupérer le code et tout ça. Honnêtement, c'est des endroits qu'on pourrait... On pourrait directement y aller maintenant, mais on a trop de ressources en plus. Genre par exemple, on va pas se trimballer avec 40 fûts de flèches. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va pas se trimballer avec des choses comme ça, donc on va pas pouvoir y aller directement à cause de ça. Mais c'est vrai que là, on est en très bon état. On a nos vêtements qui sont prêts. Enfin voilà quoi, on peut y aller quand même. Je suis en train de me dire qu'on aurait pu peut-être réparer le deuxième pantalon aussi. Parce que j'ai vu qu'il en avait une... Encore une autre... Ah non, c'est 96, bon ça va. Pas besoin vraiment. Ah, mais voilà, ça se passe plutôt bien. Mais honnêtement, je suis assez content qu'on parte d'ici. Après, c'est un endroit facile. Hein. J'ai pu pêcher aussi. J'ai fait quelques heures de pêche. J'ai récupéré quelques poissons. J'ai pas monté de niveau par contre. Hein, ouais. Pas monté de niveau du tout. Mais voilà, c'était super simple en fait. Parce qu'il fait pas très froid au Mont Timberwolf, honnêtement. Vu qu'il n'y a pas trop de tempête, rien. Donc c'est plutôt tranquille. C'est vraiment plutôt tranquille. Comparé à la vallée charmante par exemple. Eh ben, c'est long le chemin là, non? Normal? Non, c'est bon. Je trouve un peu long le chemin. Alors la vallée charmante, je vais être honnête, on va pas rester longtemps. Enfin, on va vraiment tracer de maison en maison. Parce que déjà on sait le chemin maintenant, on connaît, on a la route et tout ça. Et on a aussi une... Ici on a une photo à faire. Mais c'est surtout que j'ai pas envie d'être encore bloqué avec les tempêtes et tout ça. Donc si on a un temps de merde, on va quand même sortir et foncer. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête dans cette région. Donc là on va directement aller au... la trappe là qui est juste à côté, on va se réchauffer là-dedans, on va récupérer ce qu'on doit récupérer, puis après on se casse, etc, etc. On va continuer comme ça. Et on s'arrête pas quoi. J'ai peut-être des choses à vous... à aller fouiller dans l'avion, donc on va peut-être faire une petite escale avion. On va voir ça. On va tout jeter. Ouais, ça fait une, deux bouteilles. Très bien. On peut pas glisser. On a des gants, non? On peut pas glisser directement. Vous imaginez faire ça avec les mains? Jamais vous tenez la corde, quoi. Ça va arracher la peau. Ça va être horrible. Allez, avance! Ah oui, c'est vrai que le vent... Oh, mon Dieu. Ah, ce vent. Mais ouais, sinon, assez content en fait qu'on soit... Ah, très bien. Café, 42%. Assez content qu'on puisse partir. Ça, c'est... ça, c'est fusil. Arme à feu, fusil. Ça, c'est revolver. Ça, on l'a lu, on va peut-être pas le prendre. Ça on prend, le cuir séché, boulot préparé, tissu, ok, on a encore quand même pas mal de trucs. Je vais être sûr qu'on n'est pas, laissé autre chose quelque part. Ok, on a que laissé des choses ici, dans ce tiroir, on est d'accord. On est d'accord. Ok, on est à 39,94. Tissu.
Quoi que j'ai envie de dire, on n'a peut-être pas besoin, parce qu'on va repasser par la maison, vous savez, dans le village là, et on va peut-être récupérer le tissu, récupérer pas mal de tissu là-bas. Les plumes, ça oui, c'est chiant, le cuir séché, en fait on s'en sert pas honnêtement, on n'en a pas vraiment besoin d'en récupérer plus que ça. Le charbon, on va en prendre pour dessiner juste au cas où. Par contre, ça... Et... Sun. Ok. On s'est réchauffé. On fait quoi? On fait une sieste d'une heure. Il va falloir qu'on fasse une pause nourriture et eau. Je pense savoir où on peut... Où on a laissé de la nourriture. Je pense savoir. Donc voilà. C'est vrai que le cuir... Ah oui, le cuir, j'en ai utilisé un. Je crois que c'est peut-être le seul que j'ai utilisé dans, depuis le début du jeu. Depuis le début de cette saison. Et ben voilà, très bien. Ah, c'est vrai qu'on peut... il nous en faut un de fait tout, hein, on est d'accord? Ou il nous en faut plus qu'un? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. On était venu avec un fait tout, hein. Je crois. Je crois qu'on était venu avec un seul fait tout. Donc on va repartir avec un seul fait tout. On est à 44 kilos. Si je dis pas de bêtises. Hein. Alors côté gauche c'est les voitures, donc nous on va aller au côté droit vers l'avion. J'ai un doute. Ouais non, je crois qu'on était sorti avec un seul fait tout. Donc là on laisse celui-là là. Puis de toute façon, il y aura déjà plein de choses si on, jamais on veut revenir au mont Timberwolf. Du coup, on pourrait y aller genre sans rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est bien. Alors, il faut retrouver les avions. On m'a dit que il y avait des endroits, genre des... comment on dit? Des emplacements pour les bagages en fait, en hauteur là, au-dessus de la tête, que j'ai pas fouillé. Ah, comment? Enfin bref, c'est pas grave, vous voyez de quoi je parle. Bon, ça va, on a un temps qui est honnêtement correct. Donc j'ai envie de vraiment de faire la map le plus possible. Je serais aussi d'avis de pouvoir... pouvoir dessiner le plus possible, mais bon, faut peut-être pas exagérer, parce que j'ai pas envie d'être bloqué avec une tempête, c'est ça encore le problème. Vraiment pas envie d'être bloqué. Bon, je sais pas si l'avion il est pas un peu plus sur la droite. Ah non, c'est bon, on y est. On y est. Bah c'est juste cette partie là je crois en plus qu'on doit fouiller, donc ça va. Après on va revenir à la maison qui est juste en bas. Je dois bien dessiner cet endroit. Dessiné à l'intérieur, non? C'est pareil au même. Pour la chaleur, je parle. Ouais. Alors, apparemment ça... Ah oui, on peut... Ok. Y'a quoi, là? Oh! Cool. J'étais même pas allé là.
Très bien, donc on a encore... Putain, c'est très bizarre de tout tordu comme ça. On a eu encore un... Oh, je suis tombé. On a eu encore un bonnet. Putain, c'est horrible. Non. Coffre à bagages. Non. On n'a pas besoin. Le sport du cuir, c'est 0,50. On va pas le prendre. Non, on n'a pas vraiment besoin de cuir. On est déjà 40. Putain, chier. On va le prendre quand même. On va déchirer les baskets quand on sera dans la maison de toute façon. On a des compartiments à bagages là aussi ou pas à fouiller ? Ah peut-être. Très bien. Bah merci beaucoup de m'avoir précisé ça. Compartiment à bagages. Merci beaucoup. C'est vrai que j'y ai pas pensé sur le coup. Là, on a la grotte aussi. C'est là où on s'était arrêté pour l'avion. Je veux pas complètement tracer parce qu'il fait beau temps. Donc j'ai pas envie de sprinter. Parce qu'il fait plus ou moins beau temps. J'ai pas envie qu'elle se fatigue non plus. Je vais voir, est-ce qu'on a des choses là? On a... pantalon de combat. Des plumes. Ça c'était les vêtements de l'avion. On a une bouteille d'eau. On va prendre ça. Très bien. L'outil simple, ça fait 1 kg quand même. Ça fait 1 kg à rajouter, ça fait beaucoup. Ah merde, c'est détruit, j'avais pas fait attention. Quand on sera à la maison, on va faire une pause pour genre déchirer les baskets. Et après on va... Qu'est-ce qu'on avait fait avant cette maison là qui est en bas là? Je crois que c'est la grange qui est en plein milieu. Et après... Enfin la grange on y était allé deux fois. On y était allé la première fois. Puis après on est allé dans le petit village là sur le côté... droite de la map. Et puis après on était retourné dans la grange pour pouvoir aller ici quoi. Donc on va retourner à la grange, ça nous fera une coupure pour éviter de mourir de froid. On a encore plein de fûts de flèches à pouvoir faire. Donc voilà, c'est tranquille. Encore une chose, j'en parle de temps en temps, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu embêtant le fait que maintenant il n'y ait plus grand chose à augmenter. Il n'y a que genre la pêche ou les tirs au fusil et tout ça. C'est pas vraiment des choses qu'on peut faire facilement. J'aurais vraiment voulu qu'il y ait une sorte de... Genre des niveaux qui montent jusqu'à 100 par rapport à la résistance du personnage et genre...
chaque niveau ça monte de 1% par exemple la vitesse de fouiller, des choses comme ça. J'en avais parlé plusieurs fois en mentionnant Escape from Tarkov avec un peu leur système avec de... Non, c'est juste un... c'est juste un baril. Et attends, on n'est pas venu là. Moi, c'est là-haut que je dois aller. Eh, on n'est pas venu là. Genre des niveaux qui sont très très longs, hein, que ça vous prend plusieurs heures, voire même plusieurs jours en fait de jeu pour les monter. C'est vrai que ça manquerait en fait dans The Long Dark parce que c'est pas un jeu que vous êtes censé jouer rapidement, donc le fait que ça soit long, ça poserait pas de problème. Je trouve. Enfin après, moi je le vois comme ça. J'ai cru entendre quelque chose. Alors, on va se mettre dans la maison, là on va dessiner. Ok, nous on doit aller là. Vous voyez, ça aurait été vraiment bien dans ce système. Parce que bon, là, nous, comme j'ai dit, moi je crée mes propres aventures maintenant, mais... C'est vrai que vu qu'on est au niveau en tout, c'est pas vraiment intéressant de... On n'a pas besoin de... Oups. On n'a pas besoin de faire des... De quoi que ce soit, en fait. Genre, montez l'arc au niveau 100 et vous pourrez tirer deux flèches à la fois. Vous voyez, des conneries absurdes, en fait. Mais des... Enfin, des, pas des conneries dans... Non, c'est pas des conneries. Ou c'est pas absurde non plus, parce que... Vous avez vu le temps qu'on met, en fait, pour aller au niveau 5. Mais pour des parties comme moi, qui durent extrêmement longtemps et que je continue à faire pendant des mois et des mois, ça serait cool, en fait, d'avoir une récompense comme ça au bout de, genre, niveau 100. Ou au niveau 50, peut-être. Genre, une récompense pour ceux qui font vraiment... qui jouent sur une seule partie, quoi. Ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment, vraiment très cool. Ça c'est cru. On va rentrer. Comme j'ai dit, on va déchirer les baskets et se réchauffer. Bah déjà, on va regarder ce qu'il y a à récupérer aussi. Il va commencer à faire un peu nuit. On a des boyaux séchés. Peau de lapin, peau de lapin. Honnêtement, les lapins, ça court un peu les rues. Donc j'ai envie de dire, on s'en fout. Alors ça... Ça, c'est très très important, ça aussi. Le tissu, comme j'ai dit, c'est pas important. Une fusée. Je crois qu'on est très lourd, quoique pas trop. Ok, ça nous baisse un peu le poids. Je devrais, à chaque fois qu'on fait des pauses, je devrais balancer en fait la peau de l'ours par terre, parce que ça nous ferait gagner à chaque fois une heure et tout ça. J'y ai pas pensé. On est à 46, 60... Non, ça va, c'est encore potable. C'est encore potable comme pour... Allez, c'est parti, on ressort. C'est encore très potable. Beau en plus, évidemment il y a le vent il aurait pu souffler autre part, tu vois, mais non, le vent il s'est dit tiens, nous allons vers là-bas, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va souffler complètement à l'opposé, comme ça le mec il va avancer à 3 à l'heure et en plus il fait un beau temps, donc en gros il va se dire ah bah tiens, c'est complètement gâché, merci beaucoup Dame Nature, encore une fois. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir.
Qu'est-ce que je fasse? Je peux rien faire. Je vais pas commencer à sprinter dans le vent parce que ça c'est vraiment une perte d'endurance et pour rien quoi. J'essaie de tourner un peu sur le côté. Ouais non mais moi je veux passer par là. C'est qu'est-ce que c'est chiant. Ah là 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 là. Là, avec notre peau qu'on a sur nous, la peau de l'ours, plus je crois qu'on avait laissé une peau d'ours à la tour, là-bas. Il n'y a pas un animal qui traîne. Je me rappelle qu'on avait vu un ours qui traînait, là. Donc, j'ai pas envie d'avoir une mauvaise surprise. Ah, mais vous voyez, peut-être qu'on pourra réparer le deuxième manteau et le sac de couchage, peut-être. Je pense qu'on pourra. Donc ça, ça serait vraiment cool. Non, c'est bon. C'est là qu'on doit aller en plus. Hein. C'est vraiment... Genre le vent, il souffle exactement là. C'est fou. C'est fou. C'est juste complètement fou. C'est incroyable. C'est quoi ça? C'est pas un animal, ça doit être un pilier ça. Genre ça là. Ah non, si c'est un loup qui était en... Ok. Complètement perpendiculaire. Ah c'est fun hein. Ah comment c'est fun. Oh je m'amuse là. Oh la vache. Vous savez quoi? Ben marche auto et on va parler. Donc sinon la journée elle se passe bien. Putain de merde. Ça va me rendre fou. Hein. Parce que je voudrais pas rester là en fait. Je veux pas dormir là, je veux aller dormir dans la dans le village, dans le petit village. Donc j'ai pas envie de me presser non plus. Mais bon je crois qu'on va devoir le faire. Alors après, j'en avais parlé. Genre là-bas on a la tour, on la voit la tour. On a la tour, ça c'est la grange, et après on a le village qui est juste un peu derrière là avec ces arbres là en plein devant. Après on a la deuxième grange, ou la maison là qui est là-bas, ça aussi il va falloir y retourner. Donc en gros on va faire grange, village, sûrement retourner à la grange pour se réchauffer le long du chemin. Puis après... aller à la maison là-bas. Puis après tour, c'est ce qu'on va faire. Mais peut-être qu'on va bifurquer genre entre la tour et... Enfin là quoi en gros. Entre la tour et le village. Il y a une sorte de petite maison dans les... dans la forêt. Où on peut pêcher et tout ça. Donc j'ai envie d'aller visiter là-bas. Je vais être honnête, on va sûrement rien trouver d'intéressant mais... Si on a beau temps et que ça se passe bien, pourquoi pas... visiter ça et puis après on partira quoi. Je regarde si on n'a pas de surprise. Je pense qu'on est bon. La dépendance. Ah ouais, quand même. On avait tout ça.
Ah oui, c'est vrai qu'on était allé récupérer des cerfs. Vous vous rappelez, en pleine nuit, on avait tué deux cerfs d'affilée, je crois. Ah, j'avais complètement oublié ce passage. Alors, on a besoin d'eau? Merde, c'est de l'eau non potable. Ou impropre, ou impropre. Là, on a du bois. En haut, on n'a rien laissé. Sur la table, ouais, sur la table. Alors, ça. On a du vêtement. Là, on a la batterie. Est-ce que ça vaut le coup de prendre la batterie? Ou de la casser? Combien de temps ça prend pour la casser? Si on peut la casser, je dis pas non pour emporter le... Ouais. Alors, elle était à 15 kilos. Maintenant, ça fait combien? Il est où le métal? Il est là. 1,5. Ça fait lourd, hein, ça fait lourd. Pourquoi je prendrais le plomb surtout? C'est ça la question. Pourquoi on se ferait chier à prendre le plomb? Ça, on peut pas le lire. Parce que si on prend le plomb, à la limite, on prend aussi la poudre et tout ça. Enfin, on prend tout le matos en fait pour faire des balles. Là, on a encore une boîte. Parce que sinon, ça n'a pas vraiment de sens, vous voyez, de prendre une chose et pas l'autre. Je sais pas trop. Va détruire ça. Alors. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de fixer notre poids ou pas? On est en dessous des 50 maintenant. Je suis en train de réfléchir à ce que ça sert vraiment de prendre genre les morceaux de plomb et tout ça. Je dirais oui, enfin c'est quand même bien. Parce que si jamais on peut... Enfin, si jamais on trouve des douilles, on pourrait crafter des balles, ce serait cool. Je sais pas si c'est possible vraiment. On va rester dans le... On va rester dans l'optique de récupérer les choses qui peuvent être... Ah, utile, ok. On va pas commencer à dire oui, non, mais on n'en trouvera pas, machin, ça sert à rien. On va prendre, on va récupérer les choses. Parce que sinon, de toute façon, si on veut se déplacer genre très légèrement, ça serait pas drôle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On avance de point A au point B sans vraiment se faire chier. Ah, ce serait pas vraiment très fun. Donc, je préfère même m'encombrer, c'est pas grave. De toute façon, on risque rien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, par exemple, je me suis pris, genre, j'ai pris deux scies avec la caisse et tout ça. Quand on est allé au Mont Timberwolf, au final, on avait, et avec 10 morceaux aussi de métal, au final, on n'a rien utilisé de tout ça. Ça servait strictement à rien d'y aller. Alors, on était super préparé en fait, mais au final, ça servait à rien. Mais bon, c'est un peu ça qui est le côté fun dans le jeu. Si jamais il y a un problème, si jamais on en a besoin, bah on est préparé, on était là, on était présent, quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'après, si on joue vraiment genre au jeu lui-même, bon, il y a plein de choses, on en a pas besoin hein, pour survivre, surtout à notre niveau. Hein. Donc, je préfère quand même jouer comme je veux moi. Toujours avec l'optique qu'on a besoin de ça, ça et ça. Donc là, on va retourner au village. Je sais pas si on s'arrête au village. Ou pas. Il commence à faire nuit. Faudrait qu'on dorme un moment. Il nous faudrait de l'eau déjà.
Je pense que c'est un peu ça le plus gros problème. Là, il faudrait qu'on ait de l'eau. Quoi qu'après, on a encore les thés et tout ça, les tisanes. Donc, c'est pas très grave si on n'a pas d'eau. Au final. on va aller donc ici. On va voir ce qu'on récupère. Et on va retourner à la grange. Directement descendre parce que j'ai pas envie de me péter une jambe non plus. Il est où le... Ah, il y a deux cerfs, j'ai vu. Le village. Il est là-bas, non? 3, 4 cerfs. Là-bas. En toucher hein, d'ici. On voit aucune maison qui dépasse. Attends, là on est où? C'est la route. Donc là-bas. Je crois que c'est derrière ce rocher. Apparemment, il y a des corbeaux. J'ai l'impression que c'est quand même complètement fait exprès, en fait, ce gros rocher-là. Ça bloque complètement la vue. On peut pas voir qu'il y a un village de là. Après, là, je vois les lignes à haute tension. Là. Donc, il doit être là. Ouais, c'est là. Mais c'est vrai que c'est bien pensé, hein. Je vais être honnête. Hein. Le fait qu'on ait complètement la vue bouchée. Une plume, ça, en fait. Faire attention qu'il n'y ait pas un loup qui traîne. Mais normalement, non. Là, je vois rien, en tout cas. Très bien, donc on va squatter ici. On va dormir maintenant. On va un peu faire le tri de l'inventaire et tout ça pour être sûr. On va dormir maintenant. Puis après, s'il fait pas très très froid dans la nuit, on repartira pour la grange. Et peut-être qu'on s'arrêtera là. Et après de la grange, on ira à l'autre maison qui est en face, etc. etc. On continuera comme ça. Là, je sais pas. Ah oui, on avait mis tout dans le coffre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a ça. Ça. La souche aussi, il faudrait la prendre. Le 49. La scie. Ça va, on a de l'eau. Je sais, on a 50 kilos. Ça fait beaucoup de barda sur les épaules. Mais... On prend toutes les allumettes ou pas? On va en laisser 6. Ah, c'est pas mal comme ça. Alors fais voir, parce qu'elle va mourir, là, 50 kilos sur le dos. Je pense pas qu'on puisse faire grand-chose, de toute façon. Hein. On a beaucoup de petites choses, en fait.
On transporte beaucoup beaucoup de petites choses aussi, donc pas vraiment genre à jeter quoi. Après bon, on pourrait toujours laisser un outil simple, etc. Des choses comme ça, mais j'ai pas vraiment envie moi. Ah, le lendemain, on sera à moins de 50 kilos. Ah, parce qu'à la limite, si on regarde la map, nous on est là. Nous on est là. Là-bas, apparemment, il y avait une. Comment ça s'appelle? Une batterie. Non, pardon, nous on est au village. Parce qu'à la limite, si jamais on doit déposer des objets, je préfère les mettre dans la tour. Parce que c'est l'endroit qu'on va prendre en fait pour repartir et c'est l'endroit qu'on prendra pour revenir en fait à chaque fois. Donc à la limite, je préfère que ça soit tout à la tour que ça soit disséminé dans la map entière quoi. Donc autant se blinder maintenant et puis après on verra à la tour. Si jamais on dépose des objets. Parce que c'est vrai que bon, se trimballer 50 kilos, c'est, j'avoue, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Je suis d'accord. Je suis d'accord que ça fasse un tout petit peu lourd. Mais bon. Alors. Attends, on va manger. On a 49. On va sortir, on va voir si on peut directement partir, elle est en pleine forme. Il fait froid. Il fait froid. On voit pas grand chose. Ouais, non, 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 non. On peut dormir là? Non, on va dormir là. Ouais, non. Là, ça s'est empiré. Là, on voit plus. Là, il y a du brouillard qui se lève en même temps. Non. On va pas tenter. Sinon, je vais me perdre. Je sais que normalement, en théorie, c'est tout droit. Et puis, voilà, on devrait être bon, mais. J'ai pas envie de tenter non plus. On va simplement attendre et tout, ça c'est pas grave. On va attendre, on va attendre. Ah, et encore, quel idiot! J'ai oublié de mettre la fourrure par terre. Putain. En plus, j'y avais pensé avant de me coucher, quoi. Ah, quel con. Ça fait quoi? Ça fait 10 heures? On a perdu au moins 12 heures, une demi-journée. On a perdu au moins une demi-journée. Je pense qu'on va peut-être prendre un steak et le manger, puis après le déposer. On va voir, peut-être qu'on va faire ça. J'ai vu qu'il y avait de la. C'était où qu'il y avait de la nourriture? Ah bah c'est à la grange. C'est à la grange du coup. Là par contre il y a de l'eau. On va prendre de l'eau. Ok, très bien. Très très bien. Bon bah on a tout pris, on a récupéré quoi? Des allumettes, tête de flèche, je sais pas trop quoi. Ça commence. J'ai l'impression que. Ah ouais, alors, par contre ça c'est un peu un truc qu'on va penser un peu en dehors de l'aspect réaliste et comment dire, genre roleplay. On va parler en termes de jeu. Vous avez vu que les temps en fait entre chaque zone se suivent. C'est-à-dire que si par exemple à un moment quand on est sorti du mont Timberwolf, il faisait beau, il faisait pas froid, c'était beau temps et tout ça. Donc ça s'est reflété sur la deuxième zone qu'on a enchaînée, donc c'est-à-dire ici, la vallée charmante. Et pendant genre toute la journée, il faisait bon.
Maintenant, on vient de passer genre donc plusieurs heures et plusieurs et une nuit quoi en gros. On vient de dormir. On a bien pris le la peau. Ouais. Et vous voyez que maintenant on commence à avoir un temps pourri. Il fait froid. Donc j'ai l'impression que en fait les chaque zone a sa propre, on va dire, climat, a son propre climat, on va dire ça comme ça. Genre ici, il y a beaucoup de tempêtes et tout ça, alors qu'au Mont Timberwolf, il y en a très peu. Et je crois qu'au bout d'un moment, il faut quand même quelques heures pour que ce système s'enclenche. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'avancer le plus possible. Mais là, je crois qu'on est dans le temps de la vallée charmante, quoi. C'est-à-dire froid et visibilité de merde, tempête, etc., etc. Je serais pas étonné, par exemple, que quand on arrive à la grange, qu'on soit dans une tempête au bout d'un moment. Dans un blizzard, je serais pas étonné. Mais voilà, c'est ce que j'ai remarqué avec le jeu. On était passé par là la dernière fois. Il y a des loups. Non, on était passé par là. On va faire le tour par ce côté-là. Pas vraiment envie de me taper des loups avec 50 kilos sur les fesses. Donc voilà, comme j'ai dit, hein, obligé de retourner à la grange parce qu'il fait froid. Donc je vais te faire une escale là. Non, on y va, hein, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Et après, comme j'ai dit, on ira directement à la montagne. Pas la montagne, la maison. La maison. Et après, à la maison, on ira à la tour. Et comme j'ai dit, peut-être que de la tour, on ira à la petite cabane dans la forêt. Mais ça, je suis pas encore sûr. Tout va dépendre, en fait, du temps. Si c'est trop chiant, on n'y va pas. Enfin, on passe le pont, qu'on passe par le pont ou par la rivière, c'est pas grave, mais on y arrive. C'est le plus important. On a pris de l'eau sur nous, là-bas il y a encore plein de calories, donc on peut passer un petit moment, dormir un petit moment. Je crois qu'on va s'arrêter là, parce qu'après ça va faire un épisode un peu trop long. Je pense. Et après, comme j'ai dit, voilà, la maison. Je sais pas si on avait laissé pas mal, beaucoup de choses dans la maison. Je sais plus trop. Mais là, on va revenir au lac mystère, si on y arrive. On va revenir avec quand même beaucoup de choses, hein, genre pierre à aiguiser, les kits de couture. Kits de couture, peut-être qu'on a un peu trop. On a beaucoup de fûts de flèches et tout ça. On va pouvoir crafter encore tout plein de flèches si on doit le faire. On a plein de plumes. Non, ça va. Hein. On a quand même beaucoup... notre aventure nous a quand même donné beaucoup d'objets. Hein. D'objets rares, surtout. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous voyez, là, le temps, on voit plus rien. Ça y est, ça commence. Ça peut toujours être pire, hein, mais bon... Ça commence déjà. Attendez qu'il n'y ait pas de blague. Non, ça va. Regardez-moi ça. Ah ben voilà. Ah, ça c'est Blizzard, ça qui se lève, ça. Voilà. Je l'avais pas dit ? Je suis devin. Je suis devin. Je suis complètement devin. Voilà. Voilà.
Un joli blizzard qui se lève. Voilà, c'est bien. Putain. Je plus jamais j'y retourne dans cette région. C'est une région nulle, tout pourrie. Une région de merde. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. Je sais pas ce qu'on va faire la prochaine fois, du coup. Est-ce qu'on... Parce que... On est lourd, on est lent, du coup. Donc, marcher à 3 à l'heure dans un blizzard, honnêtement, c'est pas mon kiff. Regardez-moi, on a... le blizzard, il s'est à peine levé. C'est déjà quasiment à la moitié. Ouais, c'est abusé. Enfin, c'est pas trop mon kiff. Après, ici, on a de la viande. Et on a du bois, on peut faire de l'eau. Donc, c'est pas trop grave. Donc, j'ai envie de dire, peut-être que on va rester là. Ah oui, c'est en haut pour crafter. J'ai envie de dire, peut-être qu'on va rester là. Et attendre que ça passe. Y a pas vraiment besoin. On n'est pas pressé par les événements, en fait. On aurait dû laisser des choses en bas. Flèche. Ouais, c'est vrai qu'on peut utiliser les outils à chaque fois, j'oublie ça. Je crois que le mieux quand même reste de faire des fûts de flèche, ça va nous baisser le poids, je crois. Ouais, je crois que ça peut être intéressant de faire les fûts de flèche. Alors 49, 45, parce que j'ai pas envie de calculer, on va juste regarder. On a dit 49, 45. Je crois qu'on gagne 0,10 peut-être, même moins. 49, 40. Ouais, on gagne 0,5. Ah, c'est toujours ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. C'est toujours ça de gagner, hein. Bientôt déjà faire nuit en plus, c'est abusé. Passe vite. On va faire fût de flèches et après on va peut-être faire des flèches pour passer le temps, j'en sais rien. Ah. On va peut-être dormir alors. Je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps mais... Peut-être qu'on peut se déplacer la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'on peut aller à la maison directement pendant la nuit s'il fait pas très froid, enfin si on a une bonne visibilité aussi. De toute façon c'est ligne droite, c'est pas très compliqué mais bon, hein, on sait jamais. Bah du coup on va dormir là pour le moment. On va dormir là, on va dormir genre 3 heures. Ça sera la nuit, enfin dormir non, 3 heures ouais. J'ai pris la peau, ouais. J'ai peur de la laisser, de pas la récupérer la peau en fait, c'est pour ça que je la garde sur moi, ouais, je vais la garder sur moi, parce que là on va couper l'épisode, je vais peut-être oublier de la récupérer la peau, putain, 69% quoi. Oh 69, lolol, je vois pas pourquoi on a perdu 1%, on l'avait dans le sac, enfin bref. On va dormir 2 heures, 3 heures. À dormir 2 heures. Et la prochaine fois, on ira alors, quand on se lèvera, on ira directement à la maison. Sinon, on passera la nuit. Mais voilà, je pense que le prochain épisode, on pourra sortir de la vallée charmante et repartir chez nous. Donc, ça sera beaucoup plus fun de repartir autre part. Parce que la vallée charmante est quand même vraiment un endroit très très pénible. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao, ciao.